Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview depuis Montreux, depuis la Suisse, depuis le Montreux International Guitar Show. Je suis avec Alexandre Gletti qui fait les guitares dont on va parler dans un instant. Alexandre Gletti, comment est-ce que ça va bien déjà ce matin? Ça va très bien, un petit peu fatigué comme je disais avant, mais enfin arrivé, ultra content d'être là, c'est mon premier salon. Ouais. Et enfin je te rencontre, le fabuleux Pierre Journel. J'attendais que tu le dises quand même, il va le dire ou pas quoi. Mais non mais attends, on s'était croisés il me semble brièvement au Legal Guitar Show, n'est-il pas? On s'était croisés en 2014, 14, 14, ouais. Toi, 14, t'étais volontaire au Legal, c'est ça? Non, j'étais... Non, j'ai, non, je faisais pas... T'étais visiteur. J'avais commencé. D'accord. J'avais commencé à faire des grattes et puis du coup, intéressé de voir ce qui se passait. Ouais, comment vous l'avez bien compris, la particularité des instruments de Alexandre, c'est que c'est des manches en alu. Donc on a ici une de tes formes dont le petit nom c'est Columbia. La Columbia, voilà. Et donc on a deux formules de la Columbia. La formule donc manche alu avec le manche vissé et une autre avec manche alu mais qui va très très loin dans le corps, c'est ça? C'est un manche traversant donc qui est pris en sandwich avec, avec une plaque derrière. Et... ça permet d'avoir plus de basses, il y a un son, c'est un peu moins. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com.